Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau point sécu avec Julio. Et aujourd'hui, on va voir comment choisir un bon plugin de sécurité. Allez, c'est parti. Alors, du coup, Julio, on va essayer de répondre à cette question que beaucoup de personnes se posent. Quel plugin de sécurité utiliser pour son site WordPress? On va essayer d'être objectif, hein, dans Ouais, cette c'est un peu vidéo, parce compliqué. que c'est forcément un peu plus compliqué. Donc pour moi, quand on choisit un plugin de sécurité, on pourrait dire que c'est un peu comme choisir un plugin dans un autre thème, puisque justement il existe différents plugins un peu pour tout. Dans tous les cas, ça doit répondre à un besoin, en fait. Et qu'est-ce qu'on a besoin de sécuriser? Et qu'est-ce qu'on souhaite faire, en fait, finalement? Parce que comme on en a parlé récemment, dans une liste de points de sécurité à faire, on ne va pas forcément tout faire, on ne va pas pouvoir tout faire, et ça peut être des restrictions du serveur, de la part du client, etc. Donc, on va essayer de se tenir à ce qu'on a besoin de faire déjà. Pour moi, un point principal pour nous qui sommes en France, et pour moi c'est quelque chose qui est important, j'aime bien que les plugins soient au moins traduits en français, pas forcément un plugin français, même si Cocorico c'est mieux, qu'il soit en français, c'est mieux. En tout cas, quand je le donne à un client, pour moi, c'est quasiment obligatoire. Je ne peux pas dire à mon client qui a un site totalement en français, qui me demande de faire des développements en français, de lui donner un plugin supplémentaire. Donc, celui-là, désolé, c'est de l'anglais. Non, ça pour moi, c'est impossible. Donc, déjà, pour moi, je te dirais l'avoir en français. Ensuite, je vais vous recommander, si encore une fois, c'est pour des clients, de prendre un plugin qui va être premium, pour avoir du support, parce que Ouais. vous n'avez pas envie de faire le support pour votre client. C'est quelque chose que vous n'allez pas du tout avoir envie. D'autant plus que vous allez devoir faire du support sur des produits qui ne vous appartiennent pas. Donc c'est vous qui ferez le support à la place de votre client, etc. Donc vraiment évitez. Et si le plugin est gratuit, gardez bien en tête que le support, il peut y en avoir. Il peut aussi ne pas y en avoir. Mais s'il y en a, il n'est pas assuré. Ça va être Il limité, n'est pas quoi. rapide. Voilà, c'est pour ça que c'est gratuit après, hein, faut pas, mais on le sait à l'avance, donc voilà, moi je recommanderais tout de même de s'orienter vers quelque chose qui a du support. Par chance, je pense que la majorité des plugins de sécurité ont du support parce qu'ils ont tous une version payante, parce que justement c'est quelque chose qui ne s'arrête pas en fait. On ne peut pas se dire ça y est, il est fait mon plugin, je le balance et terminé pendant 2 ans. Non, Pour c'est quelque expliquer, ouais, chose. tout le temps, Le en fait, web ça bouge course, vite. voilà, ça Voilà. bouge vite, et c'est le chat et la souris, quoi. Il y a des nouvelles choses qui sont découvertes, bah donc voilà, il y en a qui s'infiltrent, et donc il faut protéger ça, quoi. Exactement, voilà. Et ensuite, on peut directement entrer dans ce qu'on a besoin de sécuriser. On peut se dire, ok, mon site, c'est un site qui n'utilise aucun utilisateur, j'ai juste un admin et tout le reste, il n'y a jamais d'inscription possible, on est une seule et unique personne à gérer. Donc, est-ce qu'on a besoin de sécuriser ses utilisateurs? Bon, si vous êtes un e-commerce, je vous donne tout de suite la réponse, c'est oui, vous devez sécuriser vos utilisateurs, leurs données, leurs comptes, tout ça, il faut vraiment que ce soit au plus sécur. Et je ne parle pas juste de faire des backups. Encore une fois, il faut aussi des backups. Donc, sécuriser les utilisateurs, avez-vous besoin de ça? Cochez quelque part, dites oui, j'ai besoin de sécuriser les utilisateurs. Quelque chose que je vais forcément recommander, on l'a déjà dit, nous on l'a déjà dit, vous l'avez déjà lu, c'est à la fois se tenir à jour pour les plugins et les thèmes, mais aussi s'assurer que les plugins et les thèmes ne soient pas connus comme vulnérables. Hein, vous avez peut-être déjà vu sur. Notamment sur Facebook et même Twitter, il y a des listes qui tournent de voilà les nouveaux plugins qui ont été découverts contenant des failles. Si vous les avez, bon, c'est un peu dommage. Donc, comment est-ce qu'on peut être alerté de ça? Et bien voilà, il existe des solutions qui vous permettent d'être alerté en temps réel du plugin à tel que vous utilisez sur tel site. Il contient une faille de sécurité. Donc, ça, je pense que tout le monde en a besoin, hein, dans le sens où si vous utilisez des plugins, vous avez besoin de savoir qu'ils sont toujours sécurisés. Je vous dirais aussi de sécuriser ce que j'appelle les données sensibles. Donc, il y a aussi ceux des utilisateurs, puis il y a aussi les vôtres, hein, finalement, votre site web. Si vous avez votre site sur Git, par exemple, vous n'avez pas envie que quelqu'un puisse trouver le contenu. Si vous avez des backups, il faut que les backups soient dans un endroit sécurisé. Donc, si possible, vous ne les laissez pas sur le site. C'est ça. Vous les retéléchargez en local. Ou alors, si vous uploadez directement automatiquement dans un cloud, Dropbox, Amazon, c'est ce que tu fais peut-être? Ouais, sur Dropbox, Amazon, et puis bah, du coup, forcément, avec Dropbox, c'est automatiquement remis sur l'ordinateur. Donc en fait, il y Exactement. a trois
point de sauvegarde. Ouais, c'est une bonne idée parce que les laisser sur le site, ça veut dire qu'on les laisse quelque part en accès à une personne. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà essayé de télécharger en tapant le lien et ça donne une erreur. Parce que c'est un peu Oui, gros, quoi. ben oui, non, mais je comprends bien, mais on en revient au problème qu'on a déjà parlé avec le fichier de wp-config et le fameux deny from all. Ça empêche l'accès depuis un navigateur, mais pas depuis un script PHP. Donc, c'est-à-dire que de nouveau, la faille de RefSlider aurait pu télécharger les backups. Donc voilà, ne pas les laisser sur le site, ça me semble important. Qu'est-ce qu'on a encore besoin pour choisir un plugin de sécurité? Eh bien, écoutez, il faut qu'il propose des fonctionnalités de type pare-feu, hein, c'est-à-dire les requêtes qui viennent des mauvais bots de recherche, de moteurs de recherche, il faut qu'ils soient bloqués. Donc évidemment, il va se passer Google, Bing, etc. Mais dès que c'est un bot qui peut potentiellement être connu pour être mauvais, il faut que ce soit bloqué. Si les URL contiennent des mots-clés qui lui paraissent un peu louches, qui sont d'habitude utilisés pour du hacking, et ça doit être bloqué. On peut très bien se dire, voilà, il y a tel, tel et tel pays, ils sont en train de faire des vagues d'attaques, je les bloque. Voilà, il faudrait que ça propose ce genre de choses qui est relativement important. Surtout, encore une fois, pour des sites e-commerce, hein, parce que ça fait tomber Bah, un tout le site business tourne, marchand. voilà, Voilà. si c'est un blog, juste un blog ou même un site C'est moins vitrine grave. sur lequel il n'y a pas de vente. C'est moins grave. On a Voilà. quand même pas envie que ça tombe longtemps, dans tous les cas. Dans tous les cas, ouais. Voilà. Après, ce qui est pour moi aussi très important, c'est que le plugin propose un scanner de virus. C'est-à-dire qu'il peut très bien faire que votre site est nickel, il ne se passe rien, backend c'est pareil, les utilisateurs vont bien. Mais finalement, il y a eu quand même à un moment un pirate qui a réussi à venir sur votre site, il a inséré des fichiers malicieux. Et ce qu'il va faire, il va attendre 3 mois environ. Et au bout des 3 mois, il va activer son script malicieux. Pourquoi 3 mois? Parce qu'il sait très bien que la majorité des scripts gardent 3 mois de backup. C'est-à-dire que là, il est certain. Majorité des sites, Mais oui, c'est ça. Et là, maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il est certain que si vous remettez un ancien backup, ben, vous remettez ces fichiers avec. Voilà. Donc, au lieu d'attendre 3 mois, grâce à un scanner de virus, vous pouvez toutes les semaines, maximum, je vous conseille toutes les semaines, c'est pas mal, de vérifier s'il n'y a pas des nouveaux fichiers qui seraient arrivés, inattendus, pouvant potentiellement contenir du code malicieux. Et là, vous devez être alerté par mail minimum pour se dire, ok, ce fichier, je vois pas qu'est-ce qu'il fait là, je ne l'ai pas demandé, je ne sais pas d'où ça sort. Si vous avez un doute, demandez à un ami, demandez à un développeur, demandez encore une fois sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aurez une aide assez rapidement pour vous dire que c'est propre ou pas propre. Dans ces cas-là, vous êtes en alerte pour dire, oula, il y a un truc pas normal. Maintenant, il faut que j'aille plus loin. Qu'est-ce qui se passe sur mon site? Donc, on a parlé des backups. Hein, vous les stockez pas sur votre site. Quand vous faites des backups, ce qui serait bien aussi, c'est que vous n'ayez pas à les faire à la main. Donc, pouvoir planifier les backups. Parce que c'est comme On ne le fera pas. voilà, on le fera pas, on On va le le faire fera. Bah peut-être maintenant, je viens quelques d'installer le fois, plugin, ça y est, je et là, teste, j'ai bam. mon backup. Et demain, et après-demain, tous les jours, la base de données doit être sauvegardée. Les fichiers, c'est un peu moins grave, on peut toujours les récupérer. Mais la base de données, c'est vos articles, vos commentaires. Non, vous n'avez pas envie de perdre tout ça tous les jours. Vous n'avez pas retapé tous vos contenus. Tout dépend de l'activité du site, quoi. Si on le met à jour une fois par Oui. mois, là, c'est sûr que c'est moins grave si on Moi, je sauvegarde pense tout le toujours à un temps. site marchand qui fait des ventes tous les Ouais, voilà, jours. c'est ça. Imaginez, vous perdez les identifiants des ventes, les identifiants PayPal, vos numéros de facture. Ok, l'horreur! Donc, ça, c'est grave encore une fois pour un site marchand parce que même niveau légal, hein, il a besoin de son numéro de facturation qui se suive, etc. Donc, très important de faire des backups au moins une fois par journée. Hein. Je sais qu'il y a des sites marchands qui font un backup à l'heure. Les gros sites, quoi. Ah ouais, ils sont un peu obligés parce que ça va très très vite. Hein. Je ne sais pas comment faire Amazon d'ailleurs. Backup à la seconde, tu crois que c'est possible? Je sais pas. Si vos sites justement sont des blogs ou acceptent les commentaires, ou les inscriptions, de l'anti-spam d'inscription et de l'anti-spam de commentaires, donc que les bots ne puissent pas s'inscrire sans protection et que les bots ne puissent pas essayer de commenter parce qu'ils sont de plus en plus forts. Hein. Il y a quelques années encore, on les grillait tout de suite, mais là, je dois avouer qu'ils ont des avatars, ils ont des noms différents, ils utilisent des adresses email beaucoup plus correctes, ils utilisent du wording qui correspond à l'article. C'est de plus en plus pro. C'est très subtil, quoi, il C'est très faut. subtil et à la fois, comme ils sont venus poser un lien, ils le font plus dès le premier commentaire. Maintenant, il y a des bots qui gratuitement
balance des vrais commentaires une à deux fois pour que vous les Ils acceptiez. trollent avec Non, mais les c'est auteurs énorme. Et parce du que. coup, après ça, ils viennent insérer leur lien au troisième parce qu'ils savent aussi que par défaut, WordPress demande deux commentaires acceptés, je crois, pour accepter des liens, il me Ouais. semble. Donc, tout ça, ils sont au courant, bien sûr, ils mettent des petits subterfuges en place. Donc, un peu Savoir gênant que quoi. l'anti-spam à avoir. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Allez, les journaux. Les journaux, c'est qu'est-ce qui s'est passé sur mon site de potentiellement critique? Un ami qui change un mot de passe, pour moi, c'est critique. Est-ce que c'est normal de le faire à ce moment-là? Peut-être que oui, bien sûr, mais c'est bien de le savoir. Un ami qui se connecte à 4 h du matin, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est normal? Bon, par contre, quelqu'un a mis à jour un article, non, là, je n'appelle pas ça quelque chose de critique. Installation d'un plugin, suppression d'un plugin, tout ça me paraît potentiellement critique, surtout qu'on est censé être en production, donc on n'a pas à faire ce genre de choses. Ouais. Ce serait bien d'avoir les logs tous les jours, recevoir à la fin de la journée, voilà ce qui s'est passé sur le site, etc. Et là, si on voulait un peu plus loin que le plugin, je dirais que ça serait bien si le plugin et donc les services associés à ce plugin vous offrent d'autres services, comme par exemple de l'aide sur la sécurité. Ça peut être une configuration du plugin parfaite, parce que soit votre client vous la veut, soit vous n'avez pas le temps, la compétence, bon, faites-le faire. Et encore plus loin, si finalement vous avez un site qui est tout de même piraté, est-ce que la personne, est-ce que le plugin, l'équipe saurait vous aider en cas de plugin piraté? Donc, Le site piraté, ouais, si le site tombe, quoi, ben voilà, ce site est est-ce que vous tombé. débrouillez ou est-ce que C'est c'est compris ça. dans le service, quoi? Donc, s'il est tombé ou si vraiment vous dites bah, c'est bon, je vois, là j'ai une page noire avec une tête de mort qui tourne, c'est pas normal, bah non, votre site est légèrement piraté. Donc là, vous devez faire appel à quelqu'un, bah, qui fait appel. Donc là, je vous ai donné pas mal de points, essayez de voir tous vos besoins. Ça, vous pourriez potentiellement avoir tout besoin. Alors, personnellement, j'avoue que plus j'ai de sécurité, plus j'aime ça. Du coup, je regarderai un peu tout ce que j'ai besoin, puis essayer de comparer un petit peu tous les plugins qui existent. Hein. Si j'avais à donner un top des plugins, parce qu'on va les demander en commentaire. Oui, mais Est-ce au qu'on final, qu'est-ce que tu recommandes, attend Julio? les commentaires? Bah les plugins, évidemment, forcément, je vais parler du mien, je vais parler de CQPress parce qu'on a voulu se mettre tout de suite au niveau de la concurrence dès la création du plugin. Les concurrents que vous pouvez vérifier sont WordFence, Item Security, Sucuri, qui sont vraiment trois groupes qui font un énorme travail de sécurité. Je sais que WordFence et Sucuri ont vraiment des gens qui sont payés pour trouver des failles, on va dire, qui. Forcément qu'il ne rapporte pas d'argent, vous voyez, donc c'est D'accord. énorme quand même de réussir à faire cette veille de sécurité. Après, il y en a d'autres qui sont pour moi un petit peu plus fouillis, mais bon, écoutez, il existe Bulletproof Security, All-in-One WordPress Security and Firewall, et j'oublie toujours son nom, donc je ne me souviens plus, mais c'est pas grave. Acunix, non? Acunetix, ouais. Acunetix, ouais, c'est pas encore pareil, on ne peut pas vraiment comparer à celui-là. Il y a Sixcan, mais Sixcan, il met une iframe et tout est basé ailleurs. Donc là, j'aime pas non plus, vous voyez. Je D'accord. préfère que le plugin reste interne à votre installation. Si on doit toujours avoir tout le contenu sur des serveurs distants, pour moi, c'est pas normal. Ça aussi, Ok. c'est un point à vérifier. Ok, super. Bon, bah là, je pense qu'on a fait le tour. On vous a même parlé des d'autres plugins de sécurité. Donc, bah voilà, maintenant, c'est à vous de faire votre choix en fonction de vos besoins. Et puis voilà. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Point Sécu avec Julio. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de l'Ermite pour recevoir les futurs épisodes et les autres contenus que je publie sur la chaîne. Et puis, bien sûr, bah, allez jeter un œil à CQPress. Voilà. Installez-le, puis voyez. Et donc là, en particulier, c'est en français, Tout à fait. contrairement à d'autres plugins. Donc, si ça fait partie des critères, on va dire, qui sont, je trouve pas mes mots, Rocky. requis, voilà, allez voir CQPress. Et donc, bah, voilà. Merci de nous avoir invités. À bientôt. Ciao. Ciao.